Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout s'en met à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond. Qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère. Qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours et espère. Et c'est comme ça, oh, 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 oh. Et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. On n'est pas souvent où on veut être, mais on est toujours là où on doit être. Sois heureux dans tes malheurs, car ce n'est que ton bonheur. Cherche le coiffeur, chacun à son tour. Sur cette terre, chacun à son jour. Alors un jour sonnera ton heure, et là cesseront tes pleurs. Nul ne peut t'ôter le droit d'obtenir ce qui est à toi, même quand le sang des... Mama est aussi.
Bonsoir, je suis Ruth Omba, je suis la marraine d'Anaïs. Alors ce soir, on est là pour fêter son anniversaire parce que mardi dernier, 8 février 2017, elle a eu une année. Alors c'est passé tellement vite, là on dit une année, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de revivre sa naissance. Parce que je me rappelle exactement le jour où elle est née, quand sa maman m'a téléphoné. Déjà j'avais reçu un SMS à 6h pour me dire que oui, elle est finalement là, sa filleule. J'ai été à l'hôpital et le fait de la voir dans mes mains comme ça, elle était encore toute petite. Elle était vraiment petite et on n'imaginait pas qu'elle pouvait grandir si vite, qu'elle pouvait avoir la tête qu'elle a aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, c'est un pur bonheur en fait. Anaïs, c'est vraiment un rayon de soleil. Elle est tout en là, je reçois des vidéos quand je passe du moment avec elle. C'est, voilà, c'est une bombe en fait, c'est vraiment un rayon de soleil. Et je suis très heureuse en tout cas que ses parents m'aient désignée comme marraine. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je me disais, voilà, pour être marraine, il faudrait avoir quand même une certaine expérience, si on peut le dire comme ça.
Et là, ils me l'ont dit comme ça, on te choisit toi pour être marraine d'Anaïs. Alors, aujourd'hui, j'en profite pour leur dire merci. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait de manière assez suffisante. Mais ce soir, donc, j'en profite pour dire merci de m'avoir désigné moi comme marraine. Et j'espère qu'avec le temps, je pourrai mener à bien ces tâches. Parce que c'est pas du tout facile. Vous êtes là les parents, mais il faudrait aussi que la marraine soit là pour accompagner, pour aussi compléter ce que vous allez faire de votre côté. Et c'est que vraiment du bonheur, c'est que du bonheur d'être sa marraine. Alors pour une année, on sait que c'est un petit chiffre. Une année, c'est encore rien, on peut dire, face à des personnes qui ont 50 ans, qui fêtent, je sais pas moi, 70 ans. Une année, c'est encore le début de la vie. Mais moi, ce que j'aimerais souhaiter ce soir à Anaïs, c'est une vie pleine de bonheur, en tout cas. Donc, tout ce qu'elle va faire, on m'a toujours dit qu'il y a une bénédiction qui accompagne des aînés. Et vu que c'est une aînée, moi, je demande au Seigneur de lui accorder cette bénédiction-là. Qu'elle soit la tête et qu'elle soit jamais la queue, parce qu'on sait qu'avec les études, il y a un moment où ça devient difficile, ça devient insupportable. Mais qu'elle, elle puisse faire la différence, en tout cas. Qu'elle fasse toujours la joie de ses parents, qu'elle soit un modèle pour ses frères et sœurs qui pourront éventuellement arriver. Et voilà, qu'elle fasse surtout la fierté de la famille, qu'elle craigne Dieu, qu'elle marche sur le sentier de Dieu, qu'elle se détourne pas du plan de Dieu dans sa vie en tout cas. Donc voilà mes souhaits pour elle et je souhaite en tout cas qu'elle soit une fille pleine de bonne santé parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui tombent généralement malades, mais j'aimerais pas que ça soit son cas à elle parce que c'est quand même ma filleule que, voilà, que j'aime énormément, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, et j'espère que tout s'est passé bien pour la journée d'aujourd'hui. Je fais tout plein de bisous à tout le monde. Au revoir. Joyeux anniversaire Anaïs, on te souhaite plein de bonnes choses, que Dieu soit au centre de ta vie, des gros bisous de la part de Yaya La Joie. Et... Moïcha. Joyeux anniversaire, tu veux chanter ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Anaïs, joyeux anniversaire. Hi everyone, my name is Michelina. I'm Anaïs's big sister, all the way from the UK. And yes, today's my little sister's birthday, and I've come all the way from the UK just to celebrate this day, this special day with her. As you can see, it's her first year. I've got to be there, had to come, couldn't miss it. And yes, Anaïs, my little baby sister, my little munchkin, I wish you all the best, success, progress. May you always stay with the Lord. And I love you, Anaïs, once again. Happy birthday, Anaïs. You say happy birthday? Happy birthday. Happy birthday, princess. I love you. Mwah, mwah. Love from your big sister. Ouais, joyeux anniversaire à ma cousine Anaïs. Et encore beaucoup d'années, que Dieu la garde, que Dieu la bénisse, et voilà. Bonsoir, ici Joséphine Douata, la maman d'Anaïs. Je remercie Dieu pour ces jours. Si je peux raconter une petite histoire. Ma fille, elle est venue une semaine en avance, qui est la date qu'on a donnée. Et je suis partie à l'hôpital et je n'avais rien du tout. J'avais seulement hâte de la voir. Hâte de voir la surprise qui m'attendait. Parce que j'ai aimé cette surprise avant de le voir. Et une semaine pour attendre, c'était beaucoup trop pour moi par rapport à les 9 mois. Alors je suis partie à l'hôpital pour rien. Et j'ai décidé qu'elle devait sortir les jours-là parce que je ne pouvais pas attendre un jour de plus. Je suis partie, il n'y avait rien, mais bon, je crois qu'elle avait compris que ma maman, elle a perdu patience, je dois venir. Alors elle est venue, c'était une surprise pour moi, j'étais trop contente pour la surprise qui est ma fille, j'étais trop contente. Je ne pensais pas que j'ai pu devenir maman, quoi. Je voyais seulement des enfants des autres. J'aimais beaucoup les enfants, mais aujourd'hui, je vois encore, elle a 1 an, elle m'appelle maman. Je remercie Dieu parce que pour moi, c'est une grâce, c'est la chance de ma vie, je peux dire. C'est le bonheur, en fait. C'est le bonheur, je ne sais pas comment l'exprimer.
Je remercie tout le monde qui est venu et à tout le monde. J'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant parce que sans lui, rien n'est parfait. Il a été avec moi depuis qu'elle était dans mon ventre. Je n'ai jamais eu, même dans l'accouchement, il n'y a jamais eu. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de la protéger. J'ai dit vraiment merci à Dieu pour l'épargner de tout danger de ce monde. Et je demande qu'il puisse encore la garder, qu'elle demeure dans le Seigneur. Parce que c'est le chemin que mes parents m'ont montré, c'était l'école et la voie de Dieu. Je veux faire pareil avec ma fille. Et je sais que le Seigneur va me soutenir et qu'elle restera dans le droit chemin. Que Dieu la protège. Qu'elle soit une fille bien, une fille de Dieu, quoi. Non, on mange pas. Amen. 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 Bon, bref, elle est timide. Amen. 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 Alors, bon anniversaire Anaïs. Je te souhaite tout le bonheur du monde, que Dieu te protège, qu'il te garde, que tu grandisses dans la sainteté. Je t'ai vu naître. Ça me fera vraiment plaisir de te voir grandir et que tu suives toujours les exemples que tes parents t'ont donné. Et voilà, je te souhaite le bonheur du monde. Alors, sache que Yaya, j'ai mis ma tête beaucoup. Bon anniversaire encore. Salut, moi c'est la tata Lisa d'Anaïs. Bon, bah aujourd'hui c'est son anniversaire, je souhaite un très joyeux anniversaire. Cette petite fille qui il y a un an pesait 2 kilos, que j'ai tenue dans le creux de ma main. Aujourd'hui c'est une grande fille et je suis heureuse. Heureuse de la jeune fille qu'elle devient, heureuse du travail que ses parents font. Je souhaite tout le bonheur vraiment. Je souhaite vraiment tout le bonheur, vraiment, que ses parents puissent continuer à la faire grandir comme ils le font si bien. Et vraiment que la grâce de Dieu puisse être sur sa vie, que le bonheur et la grâce puissent l'accompagner tous les jours de sa vie. Et voilà, on est à son anniversaire, tout se passe bien, on s'amuse, on mange, on boit, on danse. Et donc voilà, je lui fais des gros bisous et sache que sa tata Lisa l'aime très fort. Bisous. Salut la petite Anaïs, ici c'est tonton Junior. Mon coq. Joyeux anniversaire. Je te souhaite beaucoup de bonheur du monde. À toi et tes parents. Et j'espère que tu suivras le bon chemin. Et que tu feras plaisir à, que tu rendras tes parents heureux. Et fais plaisir à tes parents dans l'avenir. Et voilà. Termine tes études. Je ne sais pas dans combien d'années. Fais-leur plaisir. Et nous sommes là derrière toi, surtout moi, tonton Junior. Je serai toujours derrière toi.